Liturgie nous a fait dans l'église, yo, nous avons fait fête Christ. Je dis à ces fêtes, nous là pour nous célébrer, nous là pour nous faire fête là. Dernier dimanche, ça, il fait nous songer, Jésus c'est roi tout bon. C'est lui-même qui chef tout bagaille. Et lui, c'est lui-même qui gagne dernier mot, c'est dans même s'arrêter. C'est lui-même qui gagne, qui triomphe sous toute cause. Gan pile monde qui rejete, gan mwen pile monde qui pas prendre au sérieux, discours de affaire sous remain, sous pardon, pardonner pour nous pardonner ennemi nous, pour nous oublier tête nous, tout ben ça ou te paraît un genre idéaliste. Parfois même, yo te gardé Jésus drôle, mais nous reconnaître qu'on y est là nous, ouais, c'est ça qui route tout bon qui menait dans la victoire. Li semblé yon moment tout pour tout monde qui te croit dans Jésus pour jodi a yo wè triomphe remen yo wè triomphe ça qui bon pauv yo moun nou souvent méprisé yo moun nou souvent ignoré yo et c'est vrai jodi a yo wè dans Jésus toute valeur remen li te annoncé yo et toute valeur action li t'a posé yo. Les rois de la terre, moun kap gouverné, moun ki gen pouvoir, autorité nan men yo, nou tande sa nan somme nan, yo tan kou Zeb nan jardin, Zeb nan bon grand chemin. Le matin yo fleuri et puis aswe yo vin disparaître, yo vin fené, yo péri. Après voyage ça, après expérience ça, perspective qui vini, route qui l'ouvrit, c'est route délivrance. Comment Jésus roi? Jésus roi, non pas parce que lui impose force, mais lui roi parce que lui bail tête lui. Jean, l'évangile jodi a fait nous songer ça, rappeler nous ça, dans l'évangile Saint-Luc, dans chapitre 23, verset 35 à 43. C'est sous la croix côté et il a ridiculisé côté et un peu mon a dit ou sauver l'autre monde sauver tête tout mais c'est sous la croix pendant li bay vili c'est là ou pral wè ki Jean bon Dieu lui-même pral faire sous quoi ça ou délivrance là paraît dans Jean Jésus bay tête li c'est route délivrance là li montrer remain a triompher. Première richesse pour nous suivre, c'est pas richesse de la terre, richesse du monde, bagasayo qui a péri, qui a passé.
et tant qu'on monde sous la terre, c'est vrai, n'a pas songé, nous pas là sous la terre pour tout temps. Jésus a venu avec toute gloire, les gens. Saint Paul dit ça. Dans Christ là, nous jouons une image, nous jouons une présentation. Bon Dieu, ça, nous pas capable, mais nous, well, dans Jésus. C'est lui-même qui gagne toute force, amen. C'est lui-même, toute bagaille rete. C'est lui-même, tout, c'est pour lui. C'est grâce à lui, toute bagaille est créée. C'est dans sang lui, lui réconcilier peuple ça, peuple qui était pécheur. C'est dans sang lui, lui réconcilier nous avec bon Dieu. En nous marcher avec Jésus, notre roi. Comment les rois nous? C'est pas roi avec force, mais c'est le roi de l'amour. C'est le roi de la justice. C'est le roi de la paix. C'est le roi qui met de côté toute force pour juguler les humains. C'est comment les rois? Les rois parce que lui montrer nous remet bon Dieu papa. C'est dans remet ça. C'est dans remet ça. Li bay tête li et c'est là lui montrer nous valeur la vie. Jésus est notre roi. Jésus c'est roi nous et royauté Jésus a c'est dans Jean lui même lui saint, c'est Jean lui remet, c'est Jean lui bay tête li mais route li montre nous. En nous entrer dans ligne ça, les nous travail pour la paix, les nous travail pour réconciliation, les nous travail pour monde capable valeur la vie, les monde les nous travail pour service l'autre monde. N'a souhaité nous bonne fête de Christ roi. Et puis avec l'église là, en nous tourner missionnaire mais en nous tourner missionnaire la vie, en nous tournant missionnaire qui a annoncé présence Jésus, présence Rémen, présence l'amour, présence la vie. Bon dimanche, bonne semaine. Brothers and sisters, this feast day is a celebration of victory. On this Sunday, the last of the liturgical year, the church invites us to joyfully celebrate, acknowledge Jesus as the King of the universe, King of all ages, the eternal King whose kingdom will have no end. In the history of Israel, David, in spite of his serious misbehavior, was considered the ideal king, but Jesus fulfills the prophecy that foretold that a son of David would come at the end of time to establish a kingdom of peace and equity for all people of the world. And this is what Jesus fulfills. Saint Paul, in the second reading today to the Colossians, Saint Paul describes him as the image of the invisible God, the firstborn of all creation. All things in heaven and on earth were created through him and for him, the visible and the invisible. He is the head of the body, the church. In him all the fullness dwells, and he is preeminent above all things. By the blood of his cross, he makes peace and reconciles all things with God. And yet, the gospel text shows him nailed, naked on the cross, with a crown of thorns on his head, being sneered by the soldiers and many other passers-by. How shall we celebrate Jesus as a king? How? Let us marvel at the thought that Jesus is not a king in the likeness of the earthly kings that we know. He has no army, he has no palace, no throne, no scepter.
He is the King of love and mercy. He is the King of the new age, the King according to God's heart. And like the contrite thief of Calvary, we will be with him in paradise if we come to love as he has loved. Let us rejoice for the everlasting glory reserved for the followers of Jesus, the true King, for endless times. Hallelujah. Blessed be the King. Wish you to be part of this victory. Wish that all of us be part of his victory. The love of God had been shown to us in Jesus Christ, and this is the triumph of God's love. May God bless you. Have a blessed day. Frères et sœurs bien-aimés, en ce dernier dimanche de l'année liturgique, en ce dimanche 20 novembre 2022, l'Église célèbre la fête du Christ roi de l'univers, et nous invite à la fête. Jésus est bien celui qui a le dernier mot. C'est à lui qu'appartient le triomphe final. Beaucoup l'ont rejeté, beaucoup ne l'ont pas pris au sérieux. Son discours sur l'amour, le pardon des ennemis, l'oubli de soi, paraissait quelque chose un peu idéaliste et même, enfin, un peu loin de la réalité. L'humanité se laisse davantage attirer par ce qui brille, ce qui prodigue le plaisir immédiat. L'on semble trouver beaucoup de joie dans la jouissance de l'argent et du pouvoir. Et quant aux pauvres, on est porté à les mépriser, ou plutôt à les ignorer. Jésus lance un défi au monde et à nous. Les rois de la terre sont comme l'herbe des champs. Le matin, l'herbe fleurit et s'épanouit, mais le soir, l'herbe se fane, périt et disparaît. Après notre séjour sur la terre, s'ouvre la perspective du salut éternel. Et dès à présent, par la foi et le baptême, nous embrassons Jésus comme notre roi. C'est lui qui viendra au dernier jour pour juger les vivants et les morts. C'est lui le roi, fils de David, le roi de la paix que les prophètes ont annoncé. La première richesse à poursuivre n'est pas celui du monde appelé à périr. Comme être humain, une destinée éternelle nous est proposée. Le Christ reviendra dans la gloire. Saint Paul le décrit comme l'image du Dieu invisible, celui qui détient toute plénitude. C'est par lui et pour lui que tout a été créé. Par son sang, il réconcilie le monde pécheur avec Dieu son Père. Marchons donc à la suite de Jésus. Apprenons à aimer comme il a aimé. C'est le chemin qui mène au bonheur, maintenant et à jamais. Réjouissons-nous, Jésus est ressuscité. Il est le roi selon le cœur de Dieu. À lui appartiennent le pouvoir et l'honneur. Et le juste partagera sa victoire à jamais. Bonne fête du Christ roi. Bon dimanche et que la paix de Dieu règne dans votre cœur et dans votre maison. Au revoir.
Oh,